Welcome to a French short story from Ablas. We'll listen to the story with only French subtitles first, and then again with the English translation too. There's a quick vocab review at the end of the video, and you can download an accompanying PDF from the link in the description. Let's start by reading the story with only French subtitles. C'est en fin d'après-midi que Monsieur Utterson se rend à la porte d'entrée du Dr. Jekyll. Où il est accueilli par Poul, le majordome. Il fut conduit à travers les bureaux de la cuisine, à travers une cour et dans le laboratoire du docteur. C'était une grande pièce qui donnait sur la cour par trois fenêtres poussiéreuses. Près de la cheminée, le docteur Jekyll était assis, l'air très malade. Il ne se leva pas pour rencontrer son visiteur, mais lui tendit la main et l'accueillit d'une autre voix. Vous avez entendu les nouvelles, dit M. Utterson dès que Poul les eut quittés. Vous n'avez pas été assez fou pour cacher ce type Utterson, je le jure devant Dieu, s'écria le docteur. Je ne poserai plus jamais les yeux sur lui. L'avocat écoutait, mais n'aimait pas les manières fiévreuses de son ami. J'espère que vous avez raison. S'il y a un procès, votre nom pourrait apparaître. Jekyll répondit d'un ton hésitant, J'ai reçu une lettre, et je ne sais pas si je dois la montrer à la police. J'aimerais la laisser entre vos mains, Uterson. J'ai une si grande confiance en vous. La lettre était écrite dans une écriture bizarre et signée, Edouard. Dois-je la garder et dormir dessus demanda Uterson. Je souhaite que vous la jugiez entièrement pour moi, répondit le docteur. J'ai perdu confiance en moi. En sortant, l'avocat s'arrêta et parla à Poule. Au fait, dit-il, une lettre a été remise aujourd'hui. Qui l'a apporté Mais Poul était certain que rien n'était venu, sauf des circulaires. Cette nouvelle fit repartir le visiteur avec des craintes renouvelées. Peu après, M. Utterson s'assit avec M. Guest, son greffier en chef, et une bouteille de vieux vin qui avait longtemps séjourné dans la cave de sa maison. Puis le domestique entra avec une note. Est-ce de la part du docteur Jekyll, monsieur s'enquiert le greffier. Seulement une invitation à dîner. Pourquoi? Voulez-vous la voir? Le greffier posa les deux feuilles de papier l'une à côté de l'autre et compara attentivement leur contenu. Merci, monsieur, dit-il enfin, en rendant les deux feuilles. C'est une signature très intéressante. Il y eut une pause, pendant laquelle M. Utterson était plongé dans une profonde réflexion. Pourquoi les avez-vous comparées, Guest? demanda-t-il soudain. Eh bien, Monsieur, répondit le greffier, il y a une ressemblance assez singulière, les deux mains sont à bien des égards identiques, mais leur inclinaison est différente. Quand M. Utterson fut seul cette nuit-là, il enferma la note dans son coffre-fort, où elle resta à partir de ce moment-là. Quoi, pensa-t-il Henri Jekyll a contrefait l'écriture d'un meurtrier. Et son sang se glaça dans ses veines. Now we'll read the story again with both French and English subtitles. C'est en fin d'après-midi que M. Utterson se rend à la porte d'entrée du docteur Jekyll, où il est accueilli par Poole, le majordome. Il fut conduit à travers les bureaux de la cuisine, à travers une cour et dans le laboratoire du docteur. C'était une grande pièce qui donnait sur la cour par trois fenêtres poussiéreuses. Près de la cheminée, le docteur Jekyll était assis, l'air très malade. Il ne se leva pas pour rencontrer son visiteur, mais lui tendit la main et l'accueillit d'une autre voix. Vous avez entendu les nouvelles dit monsieur Utherson, dès que Poul les eut quittées. Vous n'avez pas été assez fou pour cacher ce type Uterson, je le jure devant Dieu, s'écria le docteur. Je ne poserai plus jamais les yeux sur lui. L'avocat écoutait, mais n'aimait pas les manières fiévreuses de son ami. J'espère que vous avez raison. S'il y a un procès, votre nom pourrait apparaître. Jekyll répondit d'un ton hésitant, J'ai reçu une lettre, et je ne sais pas si je dois la montrer à la police. J'aimerais la laisser entre vos mains, Uterson. J'ai une si grande confiance en vous. La lettre était écrite dans une écriture bizarre et signée, Edouard. Dois-je la garder et dormir dessus demanda Uterson. Je souhaite que vous la jugiez entièrement pour moi, répondit le docteur. J'ai perdu confiance en moi. En sortant, l'avocat s'arrêta et parla à Poule. Au fait, dit-il, une lettre a été remise aujourd'hui. Qui l'a apportée Mais Poule était certain que rien n'était venu, sauf des circulaires. Cette nouvelle fit repartir le visiteur avec des craintes renouvelées. Peu après, M. Utterson s'assit avec M. Guest, son greffier en chef, et une bouteille de vieux vin qui avait longtemps séjourné dans la cave de sa maison. Puis le domestique entra avec une note. Est-ce de la part du docteur Jekyll, monsieur s'enquiert le greffier. Seulement une invitation à dîner. Pourquoi Voulez-vous la voir Le greffier posa les deux feuilles de papier l'une à côté de l'autre et compara attentivement leur contenu. Merci, monsieur dit-il enfin, en rendant les deux feuilles. C'est une signature très intéressante. Il y eut une pause. Pendant laquelle M. Utherson était plongé dans une profonde réflexion. Pourquoi les avez-vous comparés, Guest demanda-t-il soudain. Eh bien, monsieur, répondit le greffier, il y a une ressemblance assez singulière, les deux mains sont à bien des égards identiques, mais leur inclinaison est différente. Quand M. Utterson fut seul cette nuit-là, il enferma la note dans son coffre-fort, où elle resta à partir de ce moment-là. Quoi pensa-t-il. Henri Jekyll a contrefait l'écriture d'un meurtrier. Et son sang se glaça dans ses veines. Let's recap over the vocab we found in the story. Afternoon. Après-midi. Doctor. Médecin. Lawyer. Avocat. house maison subscribe for more content like this and check out the website for more language learning resources and fun games thanks for watching